C'est Julie. On est comme les deux doigts de la main tous les deux. On ne se quitte jamais et aujourd'hui est un jour spécial pour elle. J'en suis moi-même tout chamboulé. Quelle journée ! Diego m'aime. Diego est amoureux de moi. Yes, quelqu'un m'aime. Diego est le béquin pour moi. Il m'adore, il me love. Il est nul en géographie, mais il a su me trouver. Il est temps pour moi de me présenter, mais pour cela, approchez-vous d'un peu plus près. Mais non, pas par là. Là, c'est Lune, le chat de Julie, un feignant qui passe son temps à dormir. Par là non plus, lui c'est Minuit, son chouchou, son doudou d'amour, mais c'est moi son préféré. Voilà, là c'est moi, je suis son meilleur ami, son confident, son journal intime. Depuis toujours, Julie me confie ses secrets, ses joies, ses peines, et aujourd'hui, elle en a des choses à me raconter. Hé, mais arrête de griffonner partout, Diego, c'est qui ce Diego d'abord? Comment ça, il t'aime? Et toi, ma Julie, tu es perdue? Est-ce que toi aussi, tu l'aimes? Est-ce que l'amour, ça vient tout d'un coup? Pff, ça en fait des questions. Ouf, voilà maman. C'est la femme de la situation. Elle est toujours de bons conseils. Elle va régler ton problème en moins de deux. Mais pourquoi elle dit ça? Oh là là, mais elle ne t'aide pas du tout, là. Eh ben, bravo, maman. Julie est fâchée et moi, je me retrouve par terre. Stop ! Moi, je veux seulement me sentir invisible. Mais ils ne peuvent pas s'occuper de leurs affaires, ceux-là. Cours à Julie. On va rentrer, tu vas en discuter avec Zoé, ta grande sœur. Elle saura quoi faire. Zoé, les histoires d'amour, ça la connaît. Elle en a rempli des pages avec des cœurs et des points d'interrogation. Mes collègues de la chambre d'à côté en sont pleins. Ah bah voilà, ça c'est Zoé. Toujours des bonnes idées. La meilleure, tu vois, ma Julie. Tout va s'arranger. Cher Diego, je préfère t'écrire, c'est plus facile pour être sincère. Eh bien voilà, une fois de plus, une mission rondement menée. Tout est... Quoi ? Comment ? Vous voulez savoir ce qui s'est passé ? Si Julie a donné sa réponse à Diego et si tout s'est bien terminé ? Bon, allez, je vais vous dire un secret. Tout est noté dans ce livre juste à côté de moi. Bonne lecture !